Bonjour les filles, donc je vais vous présenter un haul. Donc j'ai reçu quelque chose de la part de ma famille, des membres de ma famille. Donc c'est pour ça que j'ai pu acheter tout ce que vous allez voir dans ma vidéo. Donc il y a un haul. Alors il y a Noz, Action, Carrefour Market, La Farfouille, Cultura, Jiffy, Arteis et Vide-Grenier. Voilà. Donc je commence par Noz. Donc j'ai trouvé ça, qui est un kit pour faire du rangement. Donc moi je vais pas le monter tout de suite. Donc le prix, hop. Donc je vais pas le monter tout de suite parce que je n'ai pas de place pour le mettre pour l'instant. Donc peut-être pour plus tard. Sinon j'ai trouvé kit de 20, 24 boîtes de Noël. Donc c'est pour faire un calendrier, hein. Voilà, avec les jours. Donc le prix, hop. J'ai trouvé ça, donc j'en ai pris deux, bien sûr. Donc c'est pour faire des décos de Noël. Donc ça, des couronnes accrochées en l'air ou à mettre sur un mur ou sur table pour décorer la table. Voilà. Deuxième kit. Alors un kit de 10 cartes et enveloppes de Noël. Donc voilà. Voilà. Donc le prix, vous le voyez. Alors là, c'est un kit carte pop-up bonhomme de neige. Donc le prix, voilà. Donc on peut faire ça avec. Voilà ce qu'il y a dedans. Le suivant, c'est un. Alors là, en français, si je veux, j'espère que je vais, si ça veut faire la mise au point, ce serait bien. Léo. Bon, alors, elle se fait pas la mise au point. Ah, si, y est. Alors, c'est un kit de 6 cartes, 4 cartes mini, 4 pendentifs, 6 cartes de table et 2 fois des décos bougies. Voilà, donc le prix, vous l'avez vu. Voilà, donc ce qu'il y a. Donc, un exemple de déco qu'ils ont fait. Voilà ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc là, après, donc là aussi c'était un kit pour ranger. Donc, je vous montre le montage et voilà la fin. Donc c'est un kit pour ranger les crayons. Donc j'en ai pris deux parce que moi aussi ça m'intéresse. J'ai plein de crayons. Mais pour l'instant je peux pas les mettre. Alors là c'est un. Bon, ils mettent un kit de rangement en carton pour CD. Moi, il servira autrement parce que bon, il y a le petit motif rond là. Donc, voilà. Donc, ça sera pour autre chose. Donc, j'en ai pris deux. Alors, là, c'est un petit lot de fleurs sur un genre de petit tapis en fond. Voilà, donc, il y a le prix, hein. Et l'eau, et j'ai trouvé deux lots de cartes. Donc le format, c'est 82 x 128. Donc là, j'ai couleur lilas. Et l'autre, c'est gris perle. Voilà. Bon, j'ai aussi pris des petits livres. Parce que j'aime bien avoir, quand j'ai plus d'idées, d'en piocher et puis de transformer. Donc c'est un livre pour fleurs en plumes au fil des saisons. Je vais voir un petit peu, je suppose. Voilà. Voilà. Donc si vous voulez plus de détails ou si un modèle vous intéresse mieux, dites-le-moi. Donc là, c'est pour détourner les jeans.
Donc, bah, vous voyez, il y a déjà quelqu'un en vidéo qui a fait, qui a transformé un de ses jeans en autre chose. Donc, voilà ce que eux, ils ont fait. Donc, c'est des idées à prendre. Voilà. Voilà. Donc là aussi, si vous avez plus de détails sur ce bouquin-là, faites-moi signe. Donc là, c'est peinture à l'huile, donc tout le monde doit connaître. Mais moi, je ne suis pas experte, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Je vais un peu me renseigner les bases. Parce que je ne sais pas du tout, du tout. Alors là, peindre et décorer vos objets en verre. Donc, bah, moi, je suis fait un petit peu avec la peinture vitrail. Mais bon, là, c'est pour d'autres idées. C'est toujours la même chose. Ça vient, disons, un petit peu la routine et ça devient agaçant, quoi. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas que de la peinture sur verre que je fais. Je fais aussi de la gravure sur verre. Avec une pâte spéciale qui est de la pâte à dépolir. Et voilà. Donc, fait avec des pochoirs ou faisans à main levée. Bon, je ne dis pas que je suis une experte de ça, mais bon. Moi, c'est pour moi. Donc, pour moi, ça me plaît. J'essaye de m'améliorer si c'est pour quelqu'un d'autre. Mais pour moi, c'est pas ça n'a pas d'importance si c'est pas exactement ce que je voulais. Mais bon, hein, ça, chacun fait comme il veut, bien sûr. Donc voilà ce qui est. Donc je pense que pour ceux qui connaissent pas, hein, s'ils veulent un peu plus de renseignements, bah, qui me contacte? Ou s'ils veulent des renseignements sur ce livre, ce bouquin, ben voilà. Voilà. Alors, voilà pour nous. C'est fini. Donc, on va passer à action. Mais je vous demande un instant, le temps que je remette ça de côté. Hop, voilà. Alors, passons pour action. Donc, tout le monde connaît le double face. Le double face. Donc là, j'ai trouvé un bloc de tatou différent de celui de la dernière fois. Donc, moi, je m'en sers pas comme tatouage, je m'en sers pour décorer. Voilà, et celui-là. Voilà. Donc là, c'est un lot de cartes et enveloppes. Double carte et enveloppe. Donc, les couleurs, je dirais violet pâme, rose clair et foncé et rouge. Donc, si quelqu'un veut les rouges, eh ben, qu'il me le dise. Donc, j'ai trouvé cette petite boîte de crayons. Par contre, je vais essayer de me renseigner de savoir s'ils sont aquarellables ou pas, ceux-là. Ou c'est des simples crayons de couleur, quoi. J'ai pris aussi ceux-là en carte et enveloppe. En double enveloppe. En double carte, je vais se dire, excusez-moi. Je bafouille. Donc là, il y a couleur violet clair. Moyen et foncé et rose. Dans celui-là, il y a couleur crème, marron foncé, blanc et un violet foncé brillant. Voilà. Sinon, j'ai trouvé ces cartes de fond texturées. Donc, couleur violet, bleu, vert, rose et jaune. Voilà.
Alors là, c'est feuille de tissu autocollant. Donc, vous voyez les modèles. Je ne fais pas une descriptif. Voilà. J'ai pris aussi ce modèle-là. Hop. Ces grandes cartes carton. Donc, couleur rose, bleu, vert clair,